Alors bonjour madame, je suis mademoiselle Wandi, étudiante en optique optométrie bac 2. Donc je vais vous poser certaines questions pour déjà avoir un aperçu de ce pourquoi vous êtes là et peut-être vous aider dans... Et ces questions m'aideront en fait dans l'examen de vue. Donc déjà vous vous appelez... Quoi, votre date de naissance? 1900, 28 11 1903. La profession, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez un médecin traitant? Et un ophtalmologue? Non, un opticien. Et qui est votre médecin traitant? Moi, je le fais. D'accord. Alors dites-moi madame, qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui? En fait, je suis venue voir si tout va bien, vu que je porte déjà une correction. D'accord. Et la correction, vous l'avez depuis quand? Ça fait pratiquement 4 mois que je l'ai. Ok. Et c'est juste que par moment, quand je mets, j'ai l'impression d'avoir mal à la tête. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà subi une quelconque opération visuelle, glaucome, cataracte? Et dans votre famille, est-ce que quelqu'un souffre d'une maladie oculaire, cataracte, glaucome ou... Non, pas ma connaissance. Et l'hypertension non plus. Voilà. Et en général, est-ce que vous avez des vertiges, des nausées ou une quelconque maladie? Non, conforme, ok. Et dans la famille, quelqu'un a-t-il une maladie quelconque ou rien du tout? C'est quoi vos loisirs? Les loisirs, YouTube. Donc, regardez la télé. Et pour vous, vous pensez que c'est quoi vos besoins visuels en fait? Qu'est-ce que vos besoins visuels? J'ai vraiment envie de lire de près. Parce que déjà, d'abord, je ne l'ai pas dit au départ. De lire de loin. Quand je lis de près, c'est bien. Mais quand je soulève la tête pour regarder un peu de loin, je dois foncer les yeux. Oui. Et vous êtes sur... Je n'ai pas envie de ça. Dans les moments, j'ai envie de lire de loin sans problème. D'accord. Foncer les yeux. Ok, est-ce que vous êtes sensible à la lumière et la lumière de vous dérange un peu? Ok. Donc vous avez des difficultés de passer de la vision de près vers la vision de loin. Ça. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Très sensible à la lumière, mais je sais pas. Mais là maintenant, ça va, c'est bien. Mais là maintenant, je suis sensible, mais plus trop comme avant. Je ne sais pas si c'est possible que vous fassiez quelque chose à ce que je ne sois plus sensible. D'accord. Donc, j'ai noté tout ceci. Déjà, on va faire un examen de vue. Et je vais commencer par nettoyer mon matériel. Toi, 2 petits kilomètres. Ceci. Et le cache. Maintenant, on va faire la prise d'acuité visuelle.
Je vais vous demander de lire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire sans fermer l'œil derrière le cache et sans froncer des sourcils. Pour maintenant, on y va. Qu'est-ce que vous lisez? Et là? F-Z-E-R. Ici? F-P-H-F-V-O-R. Et là? V-H-R-N-H-O-R-Z-E-C-V-H. Et ici? L-N-E-O-V-P-R-H-R-O-F-Z. Et là? Ok. Et ici? L-N-E-O-V-P-R-H-R-O-F-Z. Ok. Et là? C'est pas c'était... Ok, avec les deux yeux? RPD. Ok. Le plus bas, vous n'arrivez pas? Ça va, c'est pas grave. C'est bien parce que déjà, vous n'avez pas de problème de vision bino. Vous avez un gain d'acuité visuelle de 20% pour. Donc 8 sur 10 en mono-mono et 10 sur 10 en bino. Donc ça c'est bien. Maintenant je vais vous demander de mettre votre correction et puis on va faire un processus. Donc le test est le même. Vous allez me dire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire sans foncer l'œil derrière le cache et sans fermer les yeux. Là. Et ici? F-Z-D-L. Et là? L-P-H-F-V-O-R. Ici? V-H-R-N-O-H-O-F-Z-E-C-D-H. Et là? E-L-E-O-V-P-A-H-R-O-F-Z. Et là? E-R-P-D. Et la ligne au milieu? V. L-V-L, c'est passé. Ok. Et là? E-R-B-D. V-P-L-H. Et avec les deux yeux? V-P-L-H. Ok. C'est bon. C'est bon, merci. Et maintenant, je passe au test de masquage et de masquage. Je vais donner une lettre de la nouvelle acuité. Ici. Donc, vous fixez bien la lettre que je vous projette et vous la regardez bien nette. Ne vous occupez pas de ce que je fais. Ok? Je n'observe pas de mouvement, il n'y a pas de croupier à l'aigle gauche. Non, pour vous. Pas tant que ce soit plus ici devant le nez. Et là, je vais faire une petite croupie de l'œil gauche. Et ici, je vais faire une petite. Il n'y a pas de mouvement, donc pas de croupier à l'aigle gauche. Maintenant, je vais passer au démasquage. Voilà. C'est pareil pour l'œil gauche. Maintenant, je vais passer à alterner.
vous me dites si pendant que je déplace le cache, est-ce qu'il allume la bête du douche et si vous allez dans le même sens ou dans le sens contraire. Il n'y a pas de mouvement. Moi, je ne sais pas de mouvement. Voilà. Donc maintenant on va faire le même test mais de près. Je mets la lumière à point. Voilà. Je vais vous donner ceci. Un test à 40 cm. Voilà, je vais vous demander de lire la plus petite lettre que vous êtes capable de lire sans fermer les yeux et sans froncer les sourcils. Donc, je vais lire. La ligne d'avant. N-P-V-U. Et la ligne d'avant. E-D. E-T-N-P-Z. Ok. Ça encore. Avec les deux yeux. Ok, merci. Donc on refait le même test, mais cette fois avec votre correction. On va refaire le même test, mais avec votre correction cette fois. Donc, je vous ferme les yeux. Mais dites la plus petite lettre que vous êtes capable de lire sans fermer les yeux et sans foncer les sourcils. Derrière le cache. Voilà. La ligne d'avant. La ligne d'avant. Ok. Avec les deux yeux.
cherche pas de mouvement. Pas de mouvement, donc pas de troupie. Maintenant, je passe au massage. Je commence par la gauche. Je fais une élévation. Vas-y, que les appuis. Et en même temps, vous allez me dire si la tête se déplace dans le sens ou dans le même sens ou dans le sens pour faire par rapport au cachet. Vous rapprochez la tête. Voilà. Vous avez une déviation vers le nez. Je vais là, vous me dire si le. L'image, en la lettre, c'était pas dans le même sens, le sens concret par rapport au cache. C'est dans le même sens. Dans le même sens, ok. C'est ça dans le même sens. Donc, c'est dans le même sens, donc il s'agit bien d'une isophobie. Une fraction de la peau. C'est terminé. Maintenant, je vais faire le test de TDC, de qui alterne, donc on n'a pas de directeur. Ça peut aussi alterner, le recouvrement était lent. Et on a la valeur du prix qui est de 11 et le recouvrement qui est de 26. Donc, c'est même ici qui est sous la est supérieure à la norme et la valeur du recouvrement aussi est supérieure à la norme. Passer à la phorie horizontale à la jambe de loin. Je mets la cible qui est la ligne horizontale. Est-ce que ça va bien? Ça va. Je vais bien installer. Ok, je prépare mon prisme. 6 up. 6 up. Et 15 in. Là, vous voyez une ligne verticale. Et maintenant, vous en voyez deux. Une en haut et une en bas. Avec ceci, la ligne du haut s'est déplacée normalement vers le haut gauche. Et oui, une en haut, en gauche. Ok, je vais rapprocher les lignes. Et une fois qu'elles seront dans le même alignement, vous me faites savoir. Donc, on arrête les prismes. 3 up
0, tu es ici, elle est ortho. Elle est ortho, elle est ortho. Donc maintenant, au terme de toutes les analyses qu'on a faites, déjà depuis l'histoire de Pia et la prise d'acuité visuelle, et la question s'est plaignée d'avoir des difficultés en vision de loin, du coup je soupçonnerais qu'elle est une myopie. Du coup je vais à la suite de l'examen déterminer s'il s'agit réellement de cette myopie-là. J'installe ma barre de P. Je vais effectuer ma scoscopie à 67 mètres. Et je mets ma cible qui est le E. Donc, je vais demander de fixer bien la lettre que je vous projette. Ne vous préoccupez pas de la lumière que je vous envoie dans les yeux. Et dites-moi si ma tête ou mes cheveux sont dans votre champ visuel. Attends. Et là, c'est bon. Je vais passer à l'œil gauche. Donc, comme
valeur brute, j'ai 2,75. 2,75 avec un cylindre de... Pour l'œil gauche, j'ai plus de 75 avec un cylindre de moins de 50, accès à 150. Et à l'œil droit, j'ai 2,50. J'ai 2,50 avec un cylindre de 0,50, accès à 0. Donc, je vais revérifier l'œil droit pour voir si... À la à l'horizontale, je n'observe pas de mouvement, et à la verticale, donc là c'est bon. Je fais la même chose de l'autre côté, il n'y a pas de mouvement, et à la verticale, donc c'est bon. Donc, pour la valeur nette, je vais faire pour l'œil droit 2,50 moins 1,50. Ça fait plus 1. Et donc, ça fera plus 1 moins 0,75, ça fait 0. Et à l'œil gauche, 1,25. Plus... Parlez de bouille. C'est bon. Et à la verticale, je n'observe pas de mouvement. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, je vais prendre l'acuité visuelle de madame avec les valeurs obtenues. Qu'est-ce que je de près? Est-ce que vous parlez avec la lettre? C'est normal, ne vous inquiétez pas. La valeur de l'utilisation a servi à faire mon examen monoculaire. Et étant donné qu'on a un cylindre de 0,50 qui est inférieur à 1, on va le mettre à 0 et puis je vais retrouver le cylindre pendant l'examen. Donc je vais le mettre à 0 et ici je vais le mettre à 0. Donc je plie le gauche. Un peu. Donc, regardez la lettre, elle est floue, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais essayer de vous débrouiller et chaque fois que vous allez me dire la lettre que vous êtes capable de lire. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Non. Et ici, j'ai des chiffres quand même. Est-ce que vous voyez? C'est pas net. Je déchiffre mes accords. Et là, je déchiffre. Et ici, voilà, là je vois A, E. Et là, F, G, B, N, c'est flou. D, N. Et ici, V, H, R, N, H, O, F, Z, E, C, D, A. C'est pas un bon combien. Et là, M, N, E, Q. Mais tu veux que je passe? Non, mais je ne sais pas. Et si je mets comme ça, je la ligne d'en bas. Comme ça. Donc vous pouvez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2. C'est pareil. Pardon?
Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? C'est pareil. C'est flou, mais c'est pareil. Donc vous ferez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça. Donc vous ferez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça. C'est pareil. Pardon? Vous ferez lire en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça. C'est pareil. Je peux faire un 2. Comme ça? Comme ça. Donc on a 0,25 refusé. Donc j'ai une sphère de moins. De moins 0,25. Maintenant je vais passer à la recherche de l'astigmatisme. Je vais descendre ici dans vos croisés. Elle a une acuité visuelle de 8 dixièmes. Étant donné que j'ai mis le cylindre croisé, je vais lui mettre la ligne d'acuité 6 sur 10. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 ou séparé? En position 1. Position 1 comme ça? Oui. Donc, on a un axe à 90. À la position 45-135, ça assurer que l'axe est vraiment à... Donc, vous ferez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça, ou c'est pareil. Donc, elle a choisi pour une fois la position 90 et pour une deuxième fois la position 135. Donc, l'axe est entre 90 et 135. Étant donné que la patiente a choisi... dans un premier temps l'axe à 90 et que maintenant elle me dit qu'elle préfère la position à 135, je prends la moitié et je me place à 110-115, entre 110 et 115. Donc on va passer maintenant à la recherche de la puissance du cylindre. Donc, on passe à la recherche de la puissance. Je mets déjà le cylindre de 0,50 que je compare avec une sphère de 0,25. Maintenant, vous pouvez lire les lettres en position. Je mets les monnaies dans l'axe du cylindre. Vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça, ou c'est pareil? Comme ça? Oui. Donc elle a choisi les points rouges, du coup j'augmente le cylindre. On recherche la puissance, du coup on met les points rouges dans l'axe du cylindre. Puis je vais vous demander, vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2, ou c'est pareil? Pardon? Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? Position 2. Non, elle a choisi les points rouges dans l'axe. J'ajoute un cylindre de 0,25, je suis à 0,75. Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? Pardon? Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? C'est pareil. Ok. Donc, on va passer à l'axe. On va passer à la vérification de l'axe. On va mettre des cylindres croisés en bisecteur. C'est là, en bisecteur. Est-ce que les points sont plus nets, plus noirs, parce qu'on va rester en position 1 ou en position 2? Position 1. Comme ça? Oui. Donc, je vais rentrer. Les points sont plus nets, plus noirs, plus contrastés en position 1 ou en position 2? Position 1. Comme ça? Oui. Donc, vous verrez, les points sont plus nets, plus noirs, plus contrastés en position 1 ou en position 2? Ou c'est pareil? Encore, s'il vous plaît. Les points sont plus nets, plus noirs, plus contrastés en position 1 ou en position 2? Ou c'est pareil? C'est pareil. Donc, c'est pareil. On a un axe qui est à
120. Donc, on va passer à la vérification de la sphère. La vérification du cylindre, pardon. Donc, je remets la ligne d'acuité. Oui. Donc, c'était 6. J'isole. Hop, voilà. Cible MAV moins 1 qui est 6 dixièmes. Je mets les points dans l'axe. On est là. Donc, je vais demander pour relier les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Position 1. Position 1 comme ça. Relie les points rouges dans l'axe. Position 1. Position 1 comme ceci. Oui. Donc, je diminue le cylindre. Vous relie les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Celle-là. Position 2. Position 2 comme ça. Donc, point rouge. Et pour faire les points rouges, j'ajoute. Vous faites lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Encore, s'il vous plaît. Vous faites lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Position 1. Position 1, comme ça. Oui. Donc, je diminue. Donc là, elle est en train de me faire augmenter et diminuer. Et vous faites les points rouges, j'ajoute. Vous faites lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Encore, s'il vous plaît. Vous faites lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Position 1. Position 1, comme ça. Oui. Donc, je diminue. Donc là, elle est en train de me faire augmenter et diminuer. Du coup, je donne moins de cylindre, c'est-à-dire 0,50. J'enlève ceci. Le cylindre étant inférieur à 1, je ne vérifie pas la sphère. Je laisse et puis je passe à l'œil gauche. Mais non, non, non. On va passer à l'encadrement de la sphère. Donc je remets la ligne d'obtobtube, toute la ligne. Voilà. Ici. Donc vous savez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2. Position 2. Comme ça. Pour VPROH et puis c'est tout. VPROH et puis c'est tout. Et c'est comme ça. C'est la même chose, je ne pas lire. Ne vous inquiétez pas si vous voyez flou, c'est normal. Je vais vous débrouiller et vous allez me dire à chaque fois les lettres que vous parvenez à lire. Là, normalement, vous voyez flou. Oui, je vois flou. Ok. Je débrouille papa de 0,50. Et là, je déchiffre. Et ici, je vois un grand E, mais flou. Mais... comme ça. Oui, je vois un grand E. Et ici, c'est flou. Ouais. Et là, DN. Et là, ECDH. La ligne du bas, ECDH. Okay. Et ici, LNPO. Et puis, c'est flou. Et là, ROFZ. Et tout bas, c'est R O F Z. Et ici, c'est fou. Donc si je fais ça, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est D à la fin, si c'est au début. Donc maintenant, vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça ou séparées. Pardon? Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Séparées. Donc vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 ou séparées. Pardon? Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées. Position 1. Position 1 comme ça. Oui, donc on a 0,25 refusé. On garde la valeur de la sphère. Il y a 0,25 et on cherche la valeur du cylindre. Donc je mets
de cylindre croisé. On va chercher déjà l'axe. Je mets ça à 180. 180 déjà. En premier temps. Hop. 45-130. Voilà. Vous faites. Ayant mis le cylindre croisé, je vais ignorer la MAV-1 qui est 8 sur 10. Je vais vous demander, est-ce que vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 comme ça ou c'est pareil? Vous êtes dans mon champ. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou c'est pareil? La 2, celle-ci. Celle-ci. Oui. On a déjà. Non. Donc j'ai fait une première proposition. Elle m'a dit qu'elle préfère l'axe à 90, mais je vais vérifier. À 45-135. Je mets ici. Vous ferez lire les lettres en position 1. C'est dans mon champ. Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou c'est pareil. Position 1. Position 1 comme ça. Oui. Donc l'axe se retrouve entre 90 et 45 degrés. Donc, donc je me trouve à 66,5 environ. Donc je mets la valeur, je passe à la recherche de la puissance du cylindre. Donc je mets un cylindre de 0,50 que je compense avec une sphère de 0,25. Et maintenant vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées? Position 2, celle-ci. Vous ferez la position 2. On a les points rouges dans l'axe, donc je vais diminuer le cylindre. Les points noirs dans l'axe, je diminue le cylindre. Pardon. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous ferez les lettres en position 1 ou en position 2 ou c'est pareil? Celle-ci. Position 2. En position 2. Donc on a les points rouges cette fois-ci dans l'axe. Donc on augmente le cylindre. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2? Position 2. Et vous faites encore les points noirs dans l'axe. Du coup, elle arrête de me tourner. Et je vais garder la valeur la moins. Je vais garder le moins de puissance au cylindre. Donc 0,25. On y va. Donc maintenant, je vais passer à la vérification de l'axe. Je mets les moyens dans l'axe. Donc, je vais vous demander de procéder et je place le nuage des points. Les points sont plus nets, plus noirs, plus contrastés en position 1 comme ça ou en position 2 où c'est pareil. Pardon? Les points sont plus noirs, plus nets, plus contrastés en position 1 comme ça ou en position 2 où c'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que l'axe est bon. On va passer à la vérification de la puissance du cylindre. On met le. Je place les points rouges dans l'axe pour la vérification de la puissance du cylindre. Et je remets la MAV. La MAV moins 1. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, voilà. Vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça ou en position 2 ou séparé? Pardon? Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparé? Position 2. Position 2 comme ça. Donc, on a les points rouges dans l'axe. Donc, j'ajoute la puissance. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparé? Position 2. Position 2 comme ça. Oui. Donc, on a les points noirs cette fois-ci dans l'axe. Donc, je diminue. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparé? Position 2. Position 2 comme ça. Elle préfère encore une fois de plus les points rouges dans l'axe. Donc, je vais donner le prisme le moins fort qui est le 0,25. Je vais passer à la vérification de la. Je vais encadrer la sphère. Donc, je remets
Donc je remets le tableau. Attends, qu'est-ce que le slang croisé. Je vais vous demander de lire ce que vous êtes capable de lire sur le tableau d'Octochip. R-O-S-Z. Et ici. E-R-P-D-T-I. Et Z-L-I. Vous préférez lire les lettres en position 1, comme ça, ou en position 2, ou séparé? Séparé. 1 ou 2, ou séparé? Séparé. Position. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou séparé? Vous êtes dans le champ, en position 2. V, F, L, N. Et puis c'est tout. Un ou deux ou c'est pareil? C'est pareil. Donc je passe au bio. J'isole la ligne 6 dixième. Et la ligne du milieu ici. Je vais embrouiller. Lorsque vous aurez flou, vous me dites. Là. Ici. Et là. Là, 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 celle du bas, donc il s'agit de, de l'image de vue par l'œil droit. Donc je vais essayer d'égaliser les flous. Lorsque vous verrez parfaitement flou, vous allez savoir. Vous êtes dans mon champ. Et maintenant, c'est un par rapport à ça. Et maintenant, voilà, c'est pareil. Je vais enlever la valeur d'embrouillement qui est de 1,75. Donc je vais enlever la valeur d'embrouillement. Voilà. Pour annoncer que c'est binôme. Donc, ayant enlevé la valeur d'embrouillement, je me retrouve à 0,25 de balle d'eau, une valeur de sphère. Donc, je vais maintenant encadrer. Attends. Lettre en position 1 comme ça ou en position 2 ou c'est pareil? Position 2. Position 1. Position 1 comme ça. Oui. Donc, on a 0,25 que j'ai. Donc la valeur du bio du bino est de 0,25 de sphère de part et d'autre. Et j'enlève ma valeur d'embrouillement, je passe au bino. Je vais d'abord encadrer par balle de 0,50, les sphères. Donc vous me dites, est-ce que vous préférez lire les lettres en position 1 comme ça? Ou en position, vous préférez les lettres comme ça? En position 1 ou en position 2? Position 2. Position 2 comme ça. Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparé? Séparé. Séparé. Position 1 ou position 2 ou séparé? Position 1. Position 1 comme ça. Donc, elle a choisi, elle a rejeté la valeur 0,75 et elle a choisi la valeur 0,50, c'est normal. Donc j'ai un bino qui est plus convexe que la valeur de mon bino. Un bino qui est plus convexe que ma valeur de mon bino, la 0,25.
25, convexe, voilà. Donc je passe au bio, j'isole la ligne 6 dixième. Et la ligne du milieu ici. Je vais embrouiller. Lorsque vous verrez flou, vous me dites. Là, ici, et là, là, là. Là, c'est trop. Oui, c'est trop. Ok, je place mes spécimens. Maintenant, vous allez me dire laquelle des. Vous voyez d'où? Vous allez me dire laquelle des deux lignes est plus nette. Celle du bas. Celle du bas. Donc, il s'agit de l'image de vue par l'œil droit. Donc, je vais essayer d'égaliser les flous. Lorsque vous verrez parfaitement flou, vous allez savoir. Vous êtes dans mon champ. Et maintenant, c'est un par rapport à ça. Et maintenant, voilà, c'est parfaitement. Déjà, je vais enlever la valeur d'embrouillement qui est de 1,75. C'est un 75. Donc je vais enlever la valeur d'embrouillement. On sait que c'est binôme. Donc, ayant enlevé la valeur d'embrouillement, je me retrouve à 0,25 pas du tout, une valeur de sphère. Donc, je vais maintenant encadrer. Attends, il est en position 1 comme ça ou en position 2 ou c'est pareil. Position 2. Position 1. Position 1 comme ça. Oui. Donc, on a 0,25 que j'ai. Donc, la valeur du yo. Le binôme est de 0,25 de sphère de part et d'autre. Et là, j'ai ma valeur d'embrouillement, je passe au binôme. Je vais d'abord garder ma part de 0,50 de sphère. Donc, vous me dites, est-ce que vous préférez les lettres en position 1 comme ça? Ou en position, vous préférez les lettres comme ça? En position 1 ou en position 2? Position 2. Position 2, comme ça. Vous ferez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou séparé? Séparé. Séparé. Position 1 ou position 2, ou séparé? Position 1. Position 1, comme ça. Donc, elle... Elle a choisi, elle a rejeté la valeur 0,75 et elle a choisi la valeur 0,50, c'est normal. Donc j'ai un binôme qui est plus convexe que la valeur de mon binôme. Un binôme qui est plus convexe que ma valeur de mon binôme. Donc maintenant je fais les fourries verticales. Je isole la ligne horizontale de 10 dixième. Le principe sera le même. Je place les prismes 6 hors. 6 hors. Et 15 lignes. 15 lignes. Voilà. Là, vous voyez bien une ligne horizontale. Vous voyez bien une ligne horizontale? Oui, oui. La ligne, c'est les doublés. Vous voyez une en haut et en bas. En fait, je vois une ligne.
À moi, mais pour ta poche. Donc, il y a une ligne, maintenant la ligne est déroulée, vous voyez qu'elle est en bas. Maintenant, je vais rajouter ceci. La ligne du haut est à l'évasion de gauche. Je vais rapprocher les lignes lorsque vous verrez les lignes d'accompagnement et moi, on ne peut pas ceci, vous me faites savoir. On y va. Donc, on a 0, j'enlève ceci, on a 0, donc maintenant je passe à la fourmi, je l'ai induite par le spéculum de base, donc je prépare le prisme 6 or, 15 lignes. Vous voyez bien une ligne verticale et maintenant la ligne s'est dédoublée. Vous voyez une en haut, une en bas. Donc maintenant la ligne du haut s'est dépassée vers votre gauche. Maintenant je vais rapprocher les lignes de ces lignes. On a deux dioptries prismatiques. Voilà, les deux dioptries prismatiques en base Eden, donc deux exo. C'est qui est tout à fait en homme, étant donné que la fourrie de loin est de demi-exo. Maintenant, je passe, si là vous prenez l'autre côté, je passe à 40 cm, qui est la croix des personnes. D'une d'autre parce qu'il s'agit de personnes vraiment très vite. Du coup, je vais vous demander est-ce que, quelles sont les lignes qui vous paraissent les plus nettes. Et lorsque les lignes seront pareillement nettes, vous me faites savoir. Donc ici, c'est pareil. C'est pareil. Donc j'ai une valeur de 0,75 de 16 et 0,75 de droite et gauche. Et ma valeur de sujet de base qui était à 1,25. Où on a 0,50 plus convexe que le subjectif base. Ce qui est... Donc j'enlève les muscles croisés ici. Je mets la lumière à la pointe. Je passe ma cible qui est la ligne verticale. Voilà. Les prismes de 6 à 40.
voyez bien une ligne verticale. Et dans la ligne s'est dédoublée. Vous voyez une en haut et une en bas. La ligne du haut s'est déplacée vers votre gauche. C'est plus loin. Donc maintenant, je vais. Lorsque vous voyez, vous avez fait avec un alignement, vous me faites savoir. On y va. J'ai 4 et demi exo, ce qui équivaut à un nombre, qui est de 6 exo. Donc, on continue avec le gradient. Je remets les valeurs de suivi de base. Et puis, je plus 1 à la valeur de la sphère. La ligne du haut est allée vers votre gauche. Donc, je vais rapprocher la ligne lorsque vous verrez une aurore avec une ligne. Lorsque vous lèverez la même alignement, vous me faites savoir. On a une valeur de 8 et demi. J'ai une valeur de 8 et demi avec un D avec l'étude de base. Donc, et la valeur obtenue avec le signal croisé fixe était de 4 et demi. Du coup, j'ai un gradient de 4. C'est qui tout à fait hors norme. La norme du gradient est un de 2 surpris. Donc j'enlève le 1 de l'équation que j'ai mis tantôt. Je remets la valeur de celui de base. Et le 1,5. Je passe ma cible verticale. Ma cible horizontale sont plus ou moins. Je passe ma cible hop. Vous voyez bien une ligne verticale, horizontale. Mais ceci, maintenant la ligne c'est de vous voyez une en haut et en bas. Et ici, la ligne du haut est allée vers le côté gauche. Okay, vous pouvez rapprocher les lignes lorsqu'ils seront dans le même alignement horizontal, vous me faites savoir comme ceci. On a 0. J'enlève mes prismes, j'ai une valeur de 0. Donc j'ai une ortho pour phi. Et par rapport à la valeur en PS que j'ai trouvé, elle est identique. Donc ils sont dans les normes. Donc avec la valeur du sous-étude de base dans la tête de porteur, je place la ligne à 0. Et je vais ajouter, je vais faire la recherche de la RP. Je vais ajouter après par seconde une valeur de 0,25, donc moins 0,25. Donc je vais vous demander de lire la ligne APO de gauche à droite et de gauche à droite et de droite à gauche jusqu'à ce que vous parvenez, jusqu'à ce que vous avez un flux constant. On y va.
jusqu'au premier flou constant. On y va. A, B, E, O, F, Z, D, F, R, O, T, E, A, B, E, O, R, F, G, Z, Z, D, F, R, O, T, E, A, E, B, O, R, F, G, Z, Z, D, R, O, T, E, A, A, B, E, O, R, F, G, Z. Donc, j'ai une valeur de 3, 75, à la vidéo sur hauteur, moins la valeur de 1, 25, donc je retrouve moins 2,52 de RFN, ce qui est fait dans les RFP, pardon, ce qui est fait dans les normes. Maintenant, on va faire la RN, mais cette fois-ci, on ira en convexe, on remet la valeur de ce qui est sur le bas, vous pouvez déplacer, s'il vous plaît. Ok, donc je remets la valeur du sujet de base, je vais mettre un bout. Comme ça, c'est plus facile. De droite à gauche jusqu'au premier flou constant. Cette fois-ci, je rajoute du convexe par 2 secondes. Donc, allez-y. A, T, E, O, A, B, Z, Z, D, F, R, O, T, E, A, A, P, E, O, R, L, D, Z, Z, D, F, R, O, T, E, Donc là, j'ai une valeur de 3 moins 1,25. Tu Donc, j'ai une valeur de d'un modèle de fraction de forme d'eau de 3. Donc, en soustrayant la valeur du substitut de base de 1,25, j'ai une RFN de plus 1,75 qui est hors norme, la RN inférieure à la norme, on peut suspecter soit un excès accommodatif, soit un spacement accommodatif, ou alors une faiblesse de convergence de données négatives. Mais étant donné que dans les élèves fusionnels, la portion était hors norme, je dirais qu'il s'agit d'un excès. J'ai une valeur de 3, de 3 dans ma tête de forteur. Ma valeur de suggestion de base étant de 1 de plus 1,25. Je me retrouve avec une ARN de plus 1,75, ce qui est hors norme. La norme étant de plus 2,25. Et sur ce, on pourrait soupçonner soit un excès accommodatif ou un spacement accommodatif ou encore une faiblesse de convergence fusionnelle, mais pour le cas de ma ration, je dirais qu'il s'agit d'un excès. Maintenant, on va passer au test de la PVP. Je me dis, vous allez me dire le paragraphe que vous êtes capable de lire. Le dernier. Ok, maintenant je vais vous démocuser. Vous allez me dire lorsque vous êtes capable de lire ce paragraphe-là. D'accord. Ok. Et là, ici, là, ça, je lis, mais c'est pas clair. Donc là, oui, c'est bon, je lis. Il est quand je vous, quand je vous dis, je vois la situation. Et là, je vois, je lis. C'est mieux comme ça ou comme ça? Comme ça. Comme ça? Oui. C'est mieux comme ça ou comme ça? Un ou deux comme ça? Deux. Deux comme ça? Oui. Donc c'est mieux un ou deux? Un.
Donc on a 0,25 rejeté. Donc j'ai la valeur de la PVP qui est plus convexe que mon cylindre croisé, ce qui est tout à fait dans les normes. Et à vos subjectifs de base 10, je remets mon écart VL et la lumière à ma coin. Et est-ce que vous parvenez à lire quelque chose? Non, c'est fou. C'est la ligne dixième que j'ai isolée. Donc je vais vous démyopiser. Lorsque la ligne sera tout juste déchiffrable, vous me faites savoir. Okay. Donc là, et là, elle est tout juste déchiffrable. Ok. J'ai une valeur plus concave que mon subjectif de base que j'ai eu au départ. Donc je ne vais pas la considérer. On va passer au subjectif raffiné bis. Je mets le tableau d'objectif entièrement. Donc je vais vous démépriser ce que vous cache. Vous me dites la ligne que vous êtes la plus petite ligne que vous êtes capable de lire. Okay. Okay. Est-ce que là vous lisez la ligne R O F Z. Et ici E R P P. Et donc la ligne. Et si je fais ça, LPV, ah, je sais pas, VPLN, voilà. Et comme ça, VFLN, et puis c'est tout. Est-ce que vous pouvez lire les lettres en position 1 ou en position 2 ou séparées? En position 1. Vous pouvez en position 1, comme ça, E. Vous préférez lire les lettres en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Vous préférez lire en position 1 ou en position 2, ou c'est pareil? En position 1. Comme ça. Oui. Donc j'ai une valeur de 0,25 rejetée. Et là, j'obtiens une valeur de subjectif affiné, c'est la même que j'ai obtenue au départ. Et je constate que l'acuité visuelle a augmenté, donc je vais garder cette correction là et j'en vais un petit peu fort hauteur. Maintenant, je vais essayer les lunettes d'essai. Maintenant, je vais vous proposer la correction à lunettes d'essai. Ok, bonjour, vous regardez si tout va bien. Tout va bien. Que vous voyez bien. Bien sûr, c'est clair. Ok. Maintenant, on va passer au test du PPA. J'ouvre un nez, je vais faire mon éclairement avec l'union. Là, je vous présente ceci. Vous allez fixer la lettre de la dernière lettre, la maintenir nette, et lorsque je vais la rapprocher, lorsqu'elle deviendra floue, lorsqu'elle deviendra constamment floue, vous ne pouvez pas voir. Donc, je suis là. Une valeur de 12, ce qui fait en moyenne. Donc j'ai une moyenne de 12,6 à l'endroit. Je passe à l'aile gauche. Voilà, c'est le même principe.
ce qui donne en moyenne 15. Donc je vais leur faire un million. Voilà. Et voilà, on m'a comparé par rapport au nombre de Ousteter. Donc, en faisant la règle de Ousteter, j'ai une moyenne de, je trouve, 8. Donc, par rapport au nombre de Ousteter, elle n'est pas dans la norme, DPPA. Et voilà. Et voilà.